Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'ai eu à publier quelques réactions de mes collègues concernant la vidéo de Longuet Longuet que nous tous, tout le monde entier a regardé. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, ce sont des multiples commentaires, des insultes. Les gens me demandent de parler. Franco, pourquoi tu colles seulement les vidéos, tu ne parles pas? J'ai donc décidé de parler. Et vous savez, quand on garde le silence, vous nous insultez. Et quand on parle, vous nous insultez toujours. Quand vous avez insisté, je vais vous dire ce qui est dans ma tête. Alors, vous vous rappelez quand j'avais fait une vidéo sur cette page où je vous disais que le GSO m'avait porté un jour en Gousson. Je profite aujourd'hui pour dire merci encore à l'officier qui m'avait accueilli au camp du GSO en van. Ce qui est sûr, il me suit, il va suivre cette vidéo. Je ne vais pas donner son nom ici. Je dis infiniment merci. Parce que ce jour-là, quand les jeunes policiers m'ont porté pour me mettre dans leur voiture, ils chantaient en route. Déjà, vraiment que c'était fini pour moi. Mais est-ce que moi, je comprenais quoi? Même quand je suis arrivé au GSO en van, même devant l'officier, quoi qu'il on l'appelle le commissaire, il m'a posé la question, Franco, tu sais où tu es? J'avais dit ce jour-là non en montrant mes dents. C'est quand j'ai regardé la vidéo de Longuet Longuet que je comprends la question qu'il me posait de savoir où je suis. Parce qu'il m'a dit ce jour-là, Franco, moi je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais que tu ne déranges pas. Je ne vais pas te nuire. Je vais te laisser parce que je considère que ce qui s'est passé, c'était une erreur. Tu ne savais pas. Mais jure que tu ne vas plus reprendre cela un jour. Moi, j'ai levé mes deux mains en l'air comme ça. J'ai dit que, mon commissaire, si j'essaye encore, pardon, pas de pitié. Chacun pleure son deuil. Et même au deuil, là, chacun pleure et chacun qui sait ce qu'il pleure. Même qu'on est nombreux, quand il y a deuil, chacun, vous voyez n'importe qui crie là. C'est chacun qui sait ce qui pleure. D'autres viennent pleurer le divorce. D'autres viennent pleurer. Chacun, vous pensez, vous voyez les gens pleurer, vous pensez que c'est le même deuil qu'on pleure. Mais l'autre là, il pleure son père qui est même mort depuis. Moi, Franco, orphelin de père, de mère, j'ai quelle relation? Je compte sur qui? Vous avez dit que Franco parle, j'ai parlé, continuez donc à m'insulter. Je vous ai dit ce que moi je pense. Quand je regarde à droite, je regarde l'homme le plus fort au monde. Il est sous silencieux. Je regarde à gauche, je vois le Camerounais le plus influent. Il est sous silencieux. Le petit Franco qui est face à vous, vous lui demandez de parler. Qu'est-ce que je peux dire qui peut changer quoi, qui peut apporter quoi? Mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que personne ne souhaite vivre ce que notre grand frère Longuet Longuet a vécu. Donc ma vidéo était juste pour Longuet Longuet, pour lui dire beaucoup de courage, papa. Tu es un homme fort. Je ne sais pas comment je peux. Je manque même de mots. Vraiment, papa, tu es un enfant de Dieu, comme tu as dit. Parce que, quand je parlais de mon affaire de Mvan là, de GSO là, c'est quand je suis tombé sur ta vidéo, moi je suis sorti, j'ai encore regardé le ciel comme ça. Je me suis rappelé de ce jour qu'on m'avait porté. J'ai dit que, hey. Donc, Franco sortait un peu de loin. Donc, vraiment, les amis, je suis désolé. Hein? Je vous ai toujours dit ici sur ma page ici, que moi, je ne parle pas, moi, des choses qui, quand ça a tendance à la politique, là, moi, je me mets de côté. Mais personne ne comprend. Personne ne comprend ce que je dis. Mais je crois qu'actuellement, si, vous comprenez le pourquoi. Et aujourd'hui, je comprends aussi que Zach Wekasa nous a passé un message très fort. Il nous a tendu le doigt
Il nous a montré la lune, mais c'est le bout du doigt. C'est son bout du doigt qu'on a vu. Je ne sais pas. Vraiment, c'est plus fort que moi. C'est fort. C'est vraiment fort. Donc, je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez écouté. Longue, l'enfant de Dieu, Dieu est vraiment avec toi, papa. Et tu vas encore vivre longtemps parce que, avec ce que nous avons vu, si Dieu t'a épargné, c'est que tu risques de faire même 2 ans, 200 ans sur terre. Tout ce que je peux te dire, c'est beaucoup de courage. Parce que vraiment, regarder ça et être insensible, c'est être inhumain. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi, je ne vais pas m'attaquer à X ou à Y. Parce que vraiment, nous avons choisi de rester au Cameroun. Il faut faire un tour dans mon studio pour voir les Camerounais qui jouent à la loterie américaine. Les nous comme ça, nous on a eu l'opportunité de quitter même le pays, d'aller dans je ne sais quoi, où, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit. Mais nous on a dit le Cameroun d'abord. Nous aimons le Cameroun, on va évoluer au Cameroun. Donc tout ce que je peux dire à mon gouvernement, c'est que papa, si on a choisi de valoriser le Cameroun en restant au Cameroun, encouragez-nous. Ce n'est qu'une prière. C'est tout ce que moi je peux dire. Je n'ai pas assez de force pour crier ou faire quoi que ce soit. Je ne peux que demander à mon gouvernement pardon. On a choisi de rester au Cameroun, développer le Cameroun. Encouragez-nous. C'est tout ce que j'avais à dire dans ma vidéo. Les amis, merci de partager la vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonnez-vous, c'était le général Franco. Ciao.